Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Tout ce que vous ignorez sur le président russe Vladimir Poutine. Voici une biographie complète du président Vladimir Poutine, de sa naissance à aujourd'hui. Vladimir Vladimirovitch Poutine est né le 7 octobre 1952 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, en Russie. Il est le troisième et plus jeune fils de Vladimir Spiridonovitch Poutine, un ouvrier de l'usine ferroviaire de Leningrad, et de Maria Ivanovna Poutina, une ouvrière de la même usine. Ses deux frères aînés, Victor et Albert, sont morts en bas âge dans les années 1930. Vladimir Poutine grandit dans un milieu modeste, dans un appartement communautaire de la banlieue de Leningrad. Il se passionne pour le sport, notamment le judo et le sambo, des arts martiaux qu'il pratique dès l'âge de 11 ans. Il se distingue par son caractère volontaire, ambitieux et patriote. Il rêve de devenir espion et s'intéresse à la politique internationale. Il fait ses études à l'université de Leningrad, où il obtient un diplôme en droit en 1975. Il est recruté par le KGB, le service de renseignement soviétique, et suit une formation à l'académie du KGB à Moscou. Il est affecté au service du contre-espionnage à Dresde, en Allemagne de l'Est, où il reste jusqu'en 1990. Il y travaille sous le nom de code de Platov et atteint le grade de lieutenant-colonel. Il revient en Russie en 1990 et devient conseiller du recteur de l'université de Leningrad, Anatoly Sobchak, qui fut son professeur de droit. Il le suit en 1991 lorsque celui-ci est élu maire de Leningrad, rebaptisé Saint-Pétersbourg. Il occupe le poste de premier adjoint du maire, chargé des affaires extérieures. Il se fait remarquer par sa compétence, son efficacité et sa loyauté. En 1996, il rejoint Moscou et intègre l'administration du président Boris Yeltsin. Il occupe successivement les postes de directeur adjoint du service de gestion des biens de l'État, de premier vice-secrétaire du Conseil de sécurité, de directeur du FSB, le successeur du KGB, et de secrétaire du Conseil de sécurité. Il est nommé Premier ministre en août 1999. Le 31 décembre 1999, Boris Yeltsin démissionne de la présidence et désigne Vladimir Poutine comme son successeur. Celui-ci assure l'intérim jusqu'à l'élection présidentielle de mars 2000, qu'il remporte dès le premier tour avec 52,9% des voix. Il est réélu en 2004 avec 71,3% des voix. Ses deux premiers mandats sont marqués par le redressement économique et politique de la Russie, après la crise des années 1990. Vladimir Poutine renforce son pouvoir personnel et celui de l'État, en s'appuyant sur le parti Russie Unie, qu'il crée en 2001. Il réprime la rébellion tchétchène, qui avait déclaré son indépendance en 1991. Il affronte les oligarques, les hommes d'affaires qui ont profité de la privatisation des entreprises publiques, et fait emprisonner l'un d'entre eux, Mikhail Khodorkovsky, en 2003. Il rétablit le contrôle de l'État sur les secteurs stratégiques, comme le pétrole et le gaz. Il relance la modernisation de l'armée et le programme nucléaire. Il révise la Constitution, en augmentant la durée du mandat présidentiel de 4 à 6 ans. Sur le plan international, Vladimir Poutine cherche à restaurer le prestige et l'influence de la Russie. Il entretient des relations pragmatiques avec les États-Unis, malgré les divergences sur le bouclier antimissile, la guerre en Irak ou le dossier iranien. Il développe des partenariats stratégiques avec la Chine, l'Inde ou le Brésil. Il s'oppose à l'élargissement de l'OTAN et à l'indépendance du Kosovo. Il soutient les régimes autoritaires de la Biélorussie, de la Syrie ou du Venezuela. En 2008, la Constitution lui interdit de briguer un troisième mandat consécutif. Il choisit son dauphin, Dmitri Medvedev, qui est élu président avec 70,3% des voix. Vladimir Poutine devient Premier ministre, mais conserve la réalité du pouvoir. Il supervise la guerre éclair contre la Géorgie, en août 2008, qui aboutit à la reconnaissance de l'indépendance de deux régions séparatistes, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie.
En 2012, Vladimir Poutine se représente à l'élection présidentielle, après avoir échangé les rôles avec Dmitri Medvedev, qui devient Premier ministre. Il est réélu avec 63,6% des voix, malgré les manifestations de l'opposition, qui dénoncent des fraudes et des violations des droits de l'homme. Il fait face à une crise économique, due à la baisse des prix du pétrole et aux sanctions occidentales, imposées après l'annexion de la Crimée en 2014. Il intervient militairement en Syrie, en 2015, pour soutenir le régime de Bachar el-Assad. Il est accusé d'ingérence dans l'élection présidentielle américaine de 2016, qui voit la victoire de Donald Trump. En 2018, Vladimir Poutine se présente pour un quatrième mandat, face à une opposition faible et divisée. Il est réélu avec 76,7% des voix, son meilleur score depuis son arrivée au pouvoir. Il poursuit sa politique de renforcement de la défense nationale, en annonçant le développement de nouvelles armes nucléaires. Il se rapproche de la Chine, face à la rivalité avec les États-Unis. Il est confronté à des manifestations internes, notamment en 2019, à Moscou, où des candidats de l'opposition sont exclus des élections locales, et en 2020, en Sibérie, où le gouverneur de la région de Khabarovsk est arrêté. En 2020, Vladimir Poutine fait adopter par référendum une réforme constitutionnelle, qui lui permet de se représenter pour deux mandats supplémentaires, jusqu'en 2036. Il doit faire face à la pandémie de Covid-19, qui touche durement la Russie, et à la tentative d'empoisonnement de son principal opposant, Alexei Navalny, qu'il accuse d'être le commanditaire. Il annonce la mise au point d'un vaccin contre le coronavirus, baptisé Sputnik V, en référence au premier satellite artificiel lancé par l'URSS en 1957. Vladimir Poutine est marié de 1983 à 2014 à Lyudmila Shkrebnova, une ancienne hôtesse de l'air, qu'il a rencontrée à Leningrad. Ils ont deux filles, Maria, née en 1985, et Katerina, née en 1986, qui vivent dans la discrétion. Il est réputé avoir une liaison avec Alina Kabaeva, une ancienne championne de gymnastique rythmique, avec qui il aurait eu deux enfants. Il est également passionné par les animaux, notamment les chiens, les chevaux et les tigres. Nous sommes à présent arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao.